Bon, là je descends dans l'avion après en attendant. J'allais faire mes petites lessives. Hop. Aujourd'hui, je vais partir sur Fleur Blanche. Alors ça, c'est je pense que c'est le numéro 1 de mes parfums préférés. Voilà, de ma lessive. C'est une dinguerie, ça sent le linge propre, ça sent trop bon. Vous savez ce qui est le plus fou? C'est que là, je suis en train de mettre mon linge, donc, qui est sale, dans ma machine à laver, mais qui sent l'odeur de la vanille, donc de ma lessive d'avant. C'est pas un truc de dingue. Donc en fait, c'est ça. Oh non. Ouais, je fais des bêtises. Petit bouchon. Dans le petit pot adoucissant. Voilà. Oh, comment ça sent bon, les filles. Oh, c'est un truc de dingue. Ça, c'est clairement mon odeur préférée. Et puis là, je vais mettre ma lessive. C'était parti. Bah, en fait, non, ça, on le met au compartiment adoucissant. Et c'est un adoucissant et parfum lessive, en fait. Et après, vous mettez votre lessive. Je vous l'ai dit, c'est un truc de ouf. En fait, je suis obligée de vous en reparler de ce parfum de lessive. Ça a fait carton pour les filles qui l'ont reçu. Vous êtes hyper, hyper contentes. Donc, je suis trop contente. Il y en a même qui me disent, Sarah, à mon travail, le linge, il sent trop bon dans mon casier et tout. Mon casier, ça sent la vanille partout. Enfin, voilà. La dernière fois, donc je vous en ai parlé, je vous ai donné un code, je vais vous en donner un, j'en ai eu encore un. Et vous avez dévalisé le stock. Là, il y a un petit peu de réassort. Et en plus, le réassort, il est sur mon parfum préféré qui est Fleur Blanche. Si vous aimez les odeurs de linge propre, vous savez, coton, genre ça sent trop bon le propre, le linge il sent bon, et ben c'est Fleur Blanche qu'il vous faut. C'est un truc de dingue. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est du parfum de lessive mais qui fait aussi office d'adoucissant. Donc vous pouvez mettre que ça en plus de votre lessive, ou alors vous pouvez rajouter aussi une goutte d'adoucissant, c'est à vous de voir. Mais moi j'en rajoute pas, je mets ça et je mets ma lessive. Et pourquoi il sent hyper fort et il sent hyper longtemps? Genre vous pouvez laisser, moi vous ouvrez les placards de chez moi, ça sent la lessive à tout va. Enfin ça sent le parfum de lessive à tout va. C'est un truc de dingue, même 3 semaines, 1 mois après. Tout simplement parce que leur secret c'est qu'il y a 30% de parfum à l'intérieur. Donc c'est ça qui fait que ça tient longtemps et que ça sent hyper fort. Pour vous donner un exemple, vous voyez le bois d'argent, le parfum de chez Dior, qui coûte hyper cher et qui sent hyper bon, genre on le sent d'hyper loin quand quelqu'un l'a, et bien dedans, dans le bois d'argent, il y a 15% de parfum. Donc voilà, pour faire une petite image, là il y en a 30, il y a le double. Donc autant vous dire que c'est un truc de dingue ce parfum de lessive. Là, ça, ce qui est génial, c'est que vous voyez le gros pot comme ça de 500 ml, vous pouvez faire de 50 à 70 machines avec. Parce qu'il y a un petit bouchon et vous pouvez mettre 5 ml de parfum. Donc d'ailleurs, ils le disent, parfum intense, parfum modéré, vous mettez juste 5 ml. Donc ça sent très bon. Et parfum intense, vous mettez 10 ml. Donc là, genre, c'est le must. Donc vous pouvez, il y a 500 ml. Donc vous pouvez faire de 50 à 70 machines. Donc vraiment, genre, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien, genre ça dure hyper hyper longtemps. Mais quand je vous dis que ça laisse une odeur, mais une odeur de dingue. Là j'étais en train de laver mon linge d'avant, dites-vous, mon linge sale sent ma lessive d'avant. Enfin bref, c'est une dinguerie et c'est très très vite en rupture de stock. Donc là je vous dis qu'il y a un petit réassort sur Fleur Blanche. Donc Fleur Blanche, c'est mon parfum préféré. Comme je vous ai dit, les filles, si vous aimez tout ce qui est linge propre, maison et tout, Fleur Blanche, foncez. Il y a un petit réassort et je vous redonne un code promo de moins 20%. Mais écoutez bien, en fait, donc le bouchon par lessive, ça vous revient à 59 centimes. Voilà, pour vous donner une idée. Donc, c'est rien du tout. Et aussi, en fait, sur le site, si vous achetez 3 bouteilles, vous avez moins 10% supplémentaire en plus des moins 20%, ce qui vous fait moins 30%. Si vous achetez 5 bouteilles, vous avez moins 15%, 30%. Donc profitez de cette offre, je vous mets le code juste après et franchement foncez puisque c'est une dinguerie. No.
Non, mais on en parle, la beauté de ce lissage. Donc là, ça me fait un effet gras et plat juste en haut, parce que pour ceux qui connaissent les lissages, il ne faut pas les laver pendant 3 jours. Donc le produit continue à agir. Donc pendant 3 jours, je ne dois pas les laver. En tout cas, je suis trop contente. Non, mais c'est trop bien. Par contre, je dois rester comme ça. Je ne dois pas les attacher. Même je ne dois pas faire de plis. Je ne peux pas les mettre derrière les oreilles. Je ne dois rien faire jusqu'à demain. Et pendant 3 jours, je ne dois pas me les laver. Sinon, je suis archi contente. Mes beaux-parents, ils sont venus là de Thaïlande. Donc, il est parti les chercher à l'aéroport. Et voilà, comme ça, ils vont passer les fêtes de Noël avec nous et tout. Je suis trop, trop, trop contente. Venez, ma petite poulette, elle vient de se réveiller. Et elle a marque du côté où elle a doudou. Ma petite boulette. Regarde. Tu te regardais dans le miroir. Coucou la boulettasse. Ah, coucou. Tu peux toucher le miroir? Mais c'est toi, mon cœur. Waouh. Quelle est jolie, cette petite vie. Oui. Et c'est toi, ma vie, que tu vois. C'est toi. Oui, c'est toi. C'est toi, mon cœur. Voilà, elle commence à bien grandir. Je suis au bout de ma vie. Regardez-moi comment elle est grande maintenant. Regardez-moi. Non, ma fille. Regardez-moi ce grand bébé-là. Qu'est-ce que Alia essaye de faire depuis quelques jours? De mettre ses doigts dans le nez. On leur dit, oh tata, que c'est pas beau une fille qui met les doigts dans le nez? Mais comme t'es belle, ma fille. 5, 5, 5, 5, 5, machallah sur toi. Elle est trop belle, ma poupée. Mais elle essaye quand même de mettre ses doigts dans le nez et elle essaye de descendre de mes bras pour aller au sol. En fait, je vais te mettre par terre, ma fille. Tu vas faire un peu d'exercice. Bang, 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 bang. Vous avez vu la tête de G? Il y en a plein qui disent Alia a la même tête. Non, mais c'est incroyable. C'est grave, hein. Alia, elle a vraiment la tête de son père. Bon, c'est parti. Je vais vous parler de la marque Sampa. Vous savez, la fameuse grande marque dont je suis hyper fière de collaborer avec eux parce que c'est des produits d'exception que vous pouvez retrouver chez Sephora, chez Nocibé, dans les plus grandes boutiques cosmétiques. Et en fait, maintenant, Sampa m'accompagne dans mon quotidien depuis maintenant 3 semaines et je suis hyper, hyper contente de leurs produits. Donc, je vais vous en parler. Comme ça, si vous voulez adopter une bonne routine beauté et make-up sans trop être maquillée parce que vous n'avez pas trop l'habitude de vous maquiller alors que vous voulez vraiment rester nature peinture avec un petit peu de make-up, c'est possible avec Sampa. Donc il y a 4 produits que je recommande, donc 4 produits coup de cœur pour moi. Déjà on va commencer par cette petite brume auto-bronzante. Donc pour le visage, ce qui est génial c'est que vous la mettez le soir, le matin, vous vous réveillez avec un teint hâlé. Plus vous allez en mettre, plus vous allez bronzer. Et c'est pour le visage, elle est trop. Ensuite, si vous voulez avoir un teint plutôt naturel, donc comme moi, pas mettre de fond de teint, tout ça, juste mettre une base hydratante et un peu de blush, c'est possible grâce à Sampa. Alors moi, il y a un duo que je recommande à tous, donc vous le savez, c'est ce duo-là. Donc c'est le mine d'or et le nude à la perfection. Après, vous pouvez les utiliser un par un sans problème. Moi, je vais vous montrer comment je les utilise chaque matin, donc j'en fais vraiment un duo. Donc d'abord, le nude à la perfection, ça va venir hydrater et sublimer votre teint. Vous allez voir, ça a une couleur un petit peu grise. Donc, c'est fait exprès. Hop. Donc, ça va venir vraiment illuminer directement le teint. Donc, si vous avez un teint fatigué, donc là, regardez, là, je n'ai rien sur mon visage. Un teint plutôt fatigué, un teint, vous voulez avoir bonne mine directement le matin. Le nude à la perfection, il est incroyable. En même temps, comme je vous ai dit, il hydrate et il unifie votre teint. On verra plus tout ça. Si vous avez des taches ou vous n'avez pas un teint unifié ou uniforme, eh ben, sachez qu'il va vous donner ce teint-là vraiment très naturel.
Ensuite, moi, j'utilise aussi le mine d'or que je viens combiner. Donc, le mine d'or, en fait, ça fait directement un hâle immédiat et progressif. Un teint hâlé. Vous allez voir, je vais faire un avant-après. Vous allez voir en live. Vous allez voir directement le changement. Donc, ça illumine le teint. Vous voyez, c'est un peu coloré. Et ça prépare et prolonge votre bronzage également. Donc, c'est juste génial. Donc, comment je combine les deux? Moi, je prends sur mon pinceau directement. Je mets un petit peu... Voilà, un petit peu de nude à la perfection. Ensuite, je vais mettre un petit peu de mine d'or. Voilà. Et c'est parti. Je mets que ça sur le visage après une crème. Hop, hop. Voilà, j'en mets vraiment partout. Et c'est parti. Regardez comment ça change automatiquement. Vous avez vu ? Là et là. Et ça fait très très naturel, c'est ça que j'adore. Donc tous les jours, je mets que ça sur ma peau. Fini tout ce qui est poudre, fini tout ce qui est fond de teint. Non, non, voilà. Naturel, c'est beaucoup mieux cet effet. Quand je vous dis que ces produits sont des vraies pépites, ce sont des vraies pépites. Vous voyez, vous mettez ça le matin, un petit peu de gloss, un petit peu de blush et encore pas forcément, enfin c'est pas obligatoire. Et voilà, vous avez la peau hydratée. C'est comme si vous avez mis votre crème de jour qui vous a illuminé, donné un teint allé à votre teint. Et surtout, c'est fait pour tout type de peau et ça s'incarne à votre couleur de peau. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, c'est vraiment ce duo-là que je recommande. C'est vraiment mes produits chouchou de chez Sampa. Donc mine d'or et nude à la perfection. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien utiliser un et pas l'autre. Moi, j'adore combiner les deux parce que, comme je vous ai dit, le premier va venir me donner ce teint, vraiment unifier mon teint et enlever toutes mes petites imperfections qu'on peut voir. Et le deuxième va me donner un petit teint hâlé en hydratant ma peau. Voilà, et ça ne bouge pas les pores, ça fait rien du tout parce que c'est de la crème. Ensuite, on termine par un produit aussi que j'adore de chez Sampa également, c'est le Glamour Shot. Donc le Glamour Shot, ça je le recommande aux filles, surtout le soir quand vous avez envie de vous maquiller. Donc surtout pas de fond de teint après le Glamour Shot, mais plus de la poudre de lip, de la poudre matifiante, de la terracotta. Si vous avez envie plus de vous make-upper, vous mettez le Glamour Shot avant. Donc le Glamour Shot, tout simplement, il va venir, c'est un fond de teint transparent qui va venir vraiment filtrer votre peau. On a l'impression d'avoir une peau filtrée, sans imperfection, sans rien, et c'est transparent. Et après, vous allez venir vous maquiller. Donc je vous montre sur mes mains. Donc je vais faire une main et pas l'autre pour vous montrer l'effet. Donc vous voyez, c'est transparent. Vous venez l'appliquer sur votre visage. Voilà. Donc ça rend la peau toute douce. Et regardez. Regardez. Ma main là et ma main là. On ne voit aucune imperfection ici. Et ça fait comme un voile, un filtre tout lisse. Et là, on voit toutes les imperfections. Donc vous avez vu la différence. C'est incroyable. J'adore leurs produits. Et là, ma main est vraiment toute douce. Bon là, elle est rugueuse. On sent... on sent les imperfections alors que là, pas du tout. Donc, imaginez-vous sur le visage ou quand vous allez venir mettre votre poudre ou vous maquiller, ben, vous allez avoir vraiment un teint très, très, très doux, très unifié, sans imperfection. On ne voit pas les pores, on ne voit pas tout ça. Et ça, c'est vraiment magique. En tout cas, sachez que Sampa, c'est devenu ma marque de make-up chouchoute. Je trouve que c'est juste incroyable le teint qui me fait, ma peau. Enfin, voilà, j'ai l'impression vraiment que je suis naturelle et ça, j'adore. Donc, pour l'occasion, je vous donne un code promo de moins 30% qui est valable sur tout le site hors promotion. Yeah. Baby, shak, danse. Non, tu ne veux pas danser. Je préfère te regarder dans le miroir. Eh, hey, les jumes. Eh, hey, les jumes. Bref, c'est ça, les filles. On donne la vie, on les porte pendant 9 mois, on n'a plus d'abdos. Ils ont la tête de leur père. Moi qui voulais une mini moi. Elle a même pas un petit pourcentage de moi. C'est grave, hein. Je vous embête les deux là? Oui. Ah ouais? Qu'est-ce que vous faites? Rien.
Allez, râle. Ton bracelet? Waouh! Waouh! C'est trop beau! Regardez, elle essaye de se mettre sur ses genoux. Hein. Ouais, bon, là, elle roule. Et tu mets tes oreillers. Regardez, elle essaye de... Bravo, mon cœur! Je t'ai vu, t'as avancé. Bravo! Regardez. Elle pousse, hein. Elle a un âge, Alia, où je crois qu'elle aime trop. Enfin, elle disait, ça a coupé. Alia, elle a un âge, entre guillemets, parce qu'elle a que 8 mois, mais elle a une période de sa jeune vie. Elle aime trop être au sol. Vous avez vu, elle veut tout le temps être par terre. Je pense que c'est pour explorer, pour découvrir les choses. Alia, je te vois. Bon, ce soir, on mange une petite paella que G va faire maison. Donc j'ai trop hâte, sauf qu'il va pas mettre de chorizo dedans. C'est pas la fruit. Non, qu'est-ce que tu fais, Alia? Arrête, Alia. Là, c'est l'heure du bain. Voilà, donc j'essaie de lui faire un peu plus tard le bain. Donc à 6h10. D'habitude, je lui fais à 5h15, 5h20. Comme ça, on va voir qu'elle mange plus tard et qu'elle essaie de se coucher plus tard. On retrouve Mr. G en direct de la maison. Arrête! Regardez là, elle. Non, mais sérieux. Là. Voilà. Et G qui maîtrise parfaitement, on peut le dire, la température de la baignoire. Fais gaffe, tes doigts, moi, pour la température. Regarde méchant. Waouh. Ah, je te bouffe. Mon bébé. Alia, hein? Coucou. Alia. Dans 20 ans, quand elle nous demandera de sortir. Non, tu sortiras pas en boîte. Donc, petit look d'hiver, donc idée de look pour rester au chaud. Donc on a l'impression que j'ai les jambes à découvert alors que pas du tout. Je porte en dessous, donc petite tricherie, un collant donc hyper chaud. Voilà, parce que ce sont les collants leg. Donc regardez à l'intérieur, il est molletonné. Alors qu'on a l'impression que c'est un collant transparent que je porte et que c'est ma peau. Alors que pas du tout les filles, donc un peu de tricherie. Mais pour être bien habillée, même en hiver. Donc la particularité de ce collant-là, en fait, c'est qu'on a l'impression qu'il est transparent. Donc c'est un effet transparent, donc assuré comme vous pouvez voir. Sauf que pas du tout, à l'intérieur de ce collant, on retrouve ça. Donc vous voyez, il est vraiment molletonné. Donc jusqu'au pied, donc au pied après il est transparent, mais sinon il est molletonné à l'intérieur. Donc là c'est une autre couleur que j'ai, donc j'ai le noir que je porte, j'ai la couleur grise comme ça, et j'ai la couleur comme ça beige. Sinon vous l'avez aussi en couleur café sur le site, donc c'est à vous de choisir. Moi j'ai trois couleurs, ça me permet de changer, et en fait à l'intérieur vous voyez, regardez, il est molletonné comme ça, donc il tient chaud, mais il a un effet transparence une fois qu'on le met. C'est ça qui est incroyable. Donc on peut mettre des jupes, des robes, pulls l'hiver, mais en ayant chaud tout le temps.
Contrairement aux autres collants qu'on peut mettre, sachez qu'il est hyper résistant. Vous voyez, là, j'ai mes ongles, je tire dessus et en fait, il ne va pas se trouer. Il est très, très résistant. Contrairement aux collants que vous connaissez où on va les mettre, on va les enfiler et ils vont craquer, alors que ceux-là, pas du tout. J'ai un petit tip à vous donner qu'une de mes abonnées m'a donné. Alors, elle travaille dans un endroit où il fait hyper froid et donc, du coup, elle met des pantalons et elle met ses collants en dessous de son pantalon. Ça lui permet d'avoir vraiment chaud toute la journée. Donc voilà, c'est un petit tip. Mais sinon, pour les filles qui veulent mettre des robes, des jupes, qui veulent aller en soirée, avoir un effet transparent, c'est possible avec Legs. Surtout que je vais vous donner un code promo de moins 40% qui est valable pendant 24 heures. Et grâce à ce code-là, sachez que le collant vous revient à 17 euros. Les deux collants vous revient à 35 euros. Enfin, c'est plutôt les trois collants parce que du coup, ça vous fait un troisième collant au. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font. Trois petits tours et puis s'en vont. Olé, 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 olé. Regardez comment il est trop mignon. Je rigolais, chérie, pour la paille là. Ah bah, tu vas en manger la fraise. Attends, ma fille, je suis là, regarde. Coucou. Et coucou. Non mais trop mignon ou pas? Il m'a fait une paille là. Non, je suis pas. Bah quand même. Allez, allez. Attendez. Là, je suis en train, mon linge ici, il sèche hyper vite. Parce qu'en fait, stratégie, je l'ai mis vraiment au milieu de la maison. Il y a les chauffages et il sèche hyper vite. L'odeur. Mais, vous n'êtes pas prêts de cette lessive. Je vais faire sentir âgé. Chérie, sans ta chemise. Ça sent trop. Ça sent le frais. Ça sent le propre. On dirait que t'as jamais lavé mes affaires avec une lessive. T'as vu comment ça sent bon? Ouais. Tu préfères celui-là ou la vanille de la dernière fois? T'en as mis beaucoup. Non, j'ai mis juste un petit peu, en faisant un petit bouchon. Ça sent trop. T'as vu? Ouais. Et tu préfères celui-là ou la vanille? Je préfère celui-là. Celui-là. Bon, bah celui-là, je mettrai que dans ton linge. La vanille, je garde pour moi. Mais t'as vu, celui-là aussi, c'est mon odeur préférée. Ils sont trop, trop bons. Je vous ai dit, c'est une amie. Je vais dormir en doudou comme ça.